Merci beaucoup. Merci. Nous allons à présent passer aux participants suivants. Et bien sûr, une fois de plus, si vous avez des questions à adresser, que ce soit à l'un des participants qui ont déjà exposé leur thème, vous pouvez toujours le faire en fin de séance avec le temps qui nous restera. Sur ce, j'invite ici, avec moi, M. Kenny Seba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Merci. Que la paix soit sur vous tous. C'est un honneur, un bonheur, un plaisir d'être sur ce bout de la planète, dans cette région, pour voir mes frères et sœurs malgaches qui vivent des conditions sociales, politiques, économiques, dramatiques, comme le reste de leurs frères et sœurs sur le continent africain et dans la diaspora. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander d'applaudir fortement ceux qui m'ont précédé à la tribune, qui se sont exprimés, chacun donnant leur avis. La question n'est pas d'être d'accord sur tout, mais de voir ce sur quoi nous nous rejoignons. Mes aînés, parce que je pense qu'ils sont tous plus âgés que moi, ceux qui m'ont précédé ont évoqué des éléments statistiques. Il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle un peu plus de balistique. Vous comprendrez la parabole d'ici quelques secondes quand je vais avancer un peu plus dans la thématique. Le sujet d'aujourd'hui est l'héritage colonial et les infrastructures telles qu'elles sont aujourd'hui installées, instaurées, et de quelle manière nous pouvons aller vers le développement. Je me porte d'emblée en faux contre cette thématique, car quand on parle d'héritage de quelque chose, cela sous-entend que la situation ou la thématique ou le sujet est mort en tant que tel. On nous parle d'héritage de la colonisation, mais est-ce que la colonisation est terminée en tant que tel? Je vous pose une question. Si on parle d'héritage de la colonisation, normalement la maladie devrait être morte et on verrait aujourd'hui ce que cela a engendré. Mais le problème est que nous vivons ce 21e siècle plus que jamais encore dans une situation coloniale et c'est un drame que nous devons être capables de pointer du doigt réellement. Il faut qu'on parle avec un langage de clarté. L'Africain, et j'inclus le malgache dedans parce que, qu'il le veuille ou pas, il est africain, l'Africain est le spécialiste lorsqu'il s'agit de parler de l'agression systémique et pluriséculaire qu'il connaît. C'est le spécialiste pour parler de paraboles, pour faire des paraboles, pour tourner autour du pot, pour tourner autour du problème sans jamais avoir le courage, malheureusement, de le citer. La réalité, nous la connaissons. Si au XXIe siècle, nous étions indépendants, Madagascar, qui est une terre pourtant extrêmement riche, pourrait bénéficier des ressources de son sol. Et pourtant, nous avons une population extrêmement pauvre sur un sol extrêmement riche. C'est l'illustration parfaite que la colonisation existe encore. Si la colonisation était terminée, la problématique des îles éparses telles qu'elles ont été énoncées n'existerait pas. J'ai même entendu des gens qui nous disent de discuter avec le voleur pour qu'il y ait une co-gestion avec le voleur pour que nous puissions gérer ensemble le territoire. Mais où sommes-nous, bon sang ? Pendant combien de temps allons-nous accepter de marcher à quatre pattes et d'être les chiens du néocolonialisme français ? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier notre situation. Nous connaissons tous le mal. La personne qui s'adresse à vous aujourd'hui est une personne qui a été mise trois fois en prison. Pas en prison parce qu'il a volé des pommes. Pas en prison parce qu'il a détourné des fonds comme la plupart de nos dirigeants politiques. En prison parce que j'ai émis des opinions politiques contre le néocolonialisme français. Une fois en prison sous Jacques Chirac, qui c'est lorsqu'il a cessé d'être président qu'il a commencé à dire la vérité sur la colonisation, mais quand il était au poste, lorsqu'il était aux responsabilités, il se servait de ce pillage comme tout le monde. J'ai été mis une fois en prison sous Sarkozy et j'ai été mis une fois en prison sous la marionnette néocoloniale qui est le président du Sénégal, Macky Sall, qui, et je le dis, je n'ai pas de tabou, je n'ai pas besoin d'avoir de langage diplomatique parce que je ne suis pas là pour vendre du rêve, pour vendre des illusions. Je suis là pour parler un langage de vérité, je ne suis pas en campagne électorale, je suis là pour que nous parlions de la situation réelle de notre population. J'ai été mis en prison parce que comme la plupart des frères et sœurs vivent de
cette jeunesse qui peuple, qui marche sur le sol africain et diasporique, je connais les affres du néocolonialisme. Je fais partie des gens, et nous faisons partie de cette génération qui ne peut pas comprendre qu'en ce 21e siècle, nous voyons nos mères travailler, par exemple, pour produire du fromage de chèvre, pour produire du fromage, pour produire un certain nombre d'éléments, et cette production locale n'est jamais valorisée sur nos propres sols. Ce qui est valorisé en priorité, c'est la production française sur nos propres territoires. C'est quelque chose que notre génération ne peut pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre que lorsque nous voulons faire du commerce avec nos voisins, il est plus difficile de faire du commerce avec nos frères naturels en ADN, naturels en origine, et il est beaucoup plus difficile de faire du commerce avec eux que faire du commerce avec la puissance coloniale française qui est pourtant à des milliers, milliers, milliers de kilomètres. Nous faisons partie des gens qui ne comprennent pas cette situation telle qu'elle. Et c'est pour cette raison que l'année dernière, nous nous sommes organisés de manière générationnelle, de manière transnationale, sur la problématique de la souveraineté africaine en ce début de 21e siècle. Et pour la première fois depuis la période des indépendances, nous avons organisé dans tous les pays d'Afrique de la zone franc, il faut circonscrire cette réalité, et après je reviendrai sur Madagascar, qui a été confronté tous à un même problème, que Madagascar connaît aussi sous une diverse forme, qui est la France-Afrique. Quand on parle de France-Afrique, lorsque l'on veut suivre la dialectique telle qu'énoncée par Jacques Foccart, le conseiller de De Gaulle, qui était quelque part l'idéologue de ce courant, on a tendance à parler de néocolonialisme, mais je parle simplement, moi, d'un continuum colonial, d'un système colonial qui s'est adapté aux diverses évolutions de la vie en société. La France-Afrique a développé un système de prédation tripartitionnelle. Prédation sur le terrain politique, c'est-à-dire créer un système qui permet à l'oligarchie française de piller nos ressources naturelles tout en donnant l'aval aux élites locales de se servir dans les caisses de l'État tant qu'elles se taisent sur le pillage des nations occidentales. L'Afrique connaît ça et Madagascar, nous connaissons ça aussi. Et c'est la vérité. La plupart des gens qui, aujourd'hui, sans manquer de respect, j'étais très touché par le discours, le propos du pasteur qui me paraît être un patriote, mais c'est la population qui choisira quelle est sa véritable vision à avoir. Mais je constate, lorsque j'entends la classe politique malgache, le même sentiment que j'ai lorsque j'entends la classe politique africaine de manière générale. La plupart des candidats sont des personnes qui se présentent aujourd'hui, sont des personnes qui se sont présentées il y a déjà très longtemps de cela. La plupart des candidats qui se présentent, on est dans une sorte d'entre-soi. Je ne vois quasiment aucun jeune qui se présente. Les jeunes sont mis de côté, les jeunes sont dans une situation de chômage, les jeunes sont ostracisés, et c'est toujours une partie de la population qui arrive aux affaires, qui gagne beaucoup d'argent et qui confond souvent la politique avec une possibilité de faire du business. Aujourd'hui, on se présente aux élections non pas pour servir le peuple, mais pour se servir sur le dos du peuple. Et c'est ça le drame en réalité de nos systèmes politiques. Cette France-Afrique a développé un système qui fait en sorte que sur le terrain monétaire, et ça beaucoup plus particulièrement dans la zone franc, nous nous retrouvons dans une situation aujourd'hui où nous avons un système monétaire qui nous astreint à la résidence de la non-décision par rapport aux affaires de l'État. On dit toujours que main qui dirige économiquement sera la main qui dirige politiquement. Et bien dans la situation des pays d'Afrique de la zone franc, ce qui a poussé notre génération à agir, à se mobiliser, tient en 7 points. La question du franc CFA, tout le monde connaît cette situation qui a été créée, la zone franc a été créée en 1939, le franc CFA a été créé en 1945, et ça a été créé par l'oligarchie française pour avoir un système qui serait quelque part sa soupape au cas où les déstabilisations, les crises économiques externes pourraient l'affaiblir. Elle savait qu'avec cet héritage colonial, avec ce système colonial tel qu'il est présenté, ils avaient la possibilité à la fois d'avoir des ressources pour se servir, et ils avaient aussi la possibilité d'avoir une zone où ils pouvaient exporter leur production, qu'elle soit avariée ou pas d'ailleurs. C'est bien souvent le problème dans nos pays, ils nous envoient une production toujours périmée très souvent, mais elle est toujours priorisée par rapport à notre propre production, et ceux qui consomment de temps en temps les produits français savent très bien de quoi je parle. Le franc CFA en tant que monnaie pose 7 problèmes centraux que j'ai énumérés et qui sont très synthétiques et qui permettront à chacun de comprendre exactement où nous allons et de quoi nous parlons. Le franc CFA et le système CFA entraînent un processus de faiblesse des échanges entre les différents pays de la zone franc. Un système de faiblesse systémique entre les nations de la zone franc comparativement aux nations, par exemple, dans l'Union européenne. 15% du taux d'échange entre
contre les pays d'Afrique de la zone franc, contre 60% au sein des pays de l'Union européenne. Pensez-vous que c'est un hasard? Non. Parce que depuis la période coloniale, tout a été fait structurellement pour que les Africains ne puissent pas échanger entre eux, mais doivent toujours, lorsqu'ils veulent échanger, échanger avec la puissance prédatrice en tant que telle. Ils vous disent que l'héritage colonial, quand la colonisation est terminée, qu'on est dans une autre sphère, mais la problématique économique et politique reste encore la même parce que nous avons toujours des difficultés pour échanger commercialement entre nous, mais nous avons des facilités lorsqu'il s'agit de se plier aux dictats économiques et commerciaux de la prétendue ancienne puissance coloniale. Le deuxième point, je suis obligé de parler du CFA pour revenir après à Madagascar et à l'Afrique en général, est que le CFA étant arrimé à l'euro, c'est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales des pays d'Afrique de la zone franc. Cela anéantit tout espoir de compétitivité, et d'ailleurs la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire par rapport à bon nombre d'autres pays, à l'exception, il faut le préciser, de la Côte d'Ivoire. Le troisième point, c'est que les économies de la zone franc, à partir desquelles les banques rationnent en crédit et prêtent très peu, souffrent de sous-financement chronique. Et ça, c'est une parabole que l'on peut avoir avec la réalité de Madagascar. Sous-financement chronique, la responsabilité incombe à qui ? À nos élites qui sont obsédées par la problématique liée à l'inflation, d'accord ? Mais qui ne s'occupent jamais de la problématique liée à la croissance économique. C'est un problème de fond, c'est un problème de vision, c'est un problème de compréhension des enjeux politiques, des enjeux économiques. Et le problème est que nos dirigeants, la plupart d'entre eux en tout cas, n'ont pas dans la sphère francophone une vision suffisamment dense pour pouvoir nous sortir justement de ce marasme. Le quatrième point qui a fait que notre génération s'est levée l'année dernière, dans la plupart des pays d'Afrique de la zone franc, c'est que le franc CFA autorise le principe de libre circulation des capitaux qui facilite le rapatriement des capitaux africains vers la Suisse et la France. Ce système n'a pas été fait au hasard. L'oligarchie française a créé ce système pour pouvoir rapatrier justement ces capitaux lorsque des entreprises françaises sont installées en France, ou plutôt dans l'ancien héritage colonial. Ils peuvent rapatrier leurs capitaux sans avoir trop de contraintes sur le terrain justement économique. Ils n'ont pas trop de paperasse à rendre. Il y a une libre circulation comme il y a aussi une libre convertibilité du franc CFA vis-à-vis de l'euro. Tout cela facilite le pillage de nos ressources par l'entité française. Le cinquième point, c'est l'impossibilité de placer ne serait-ce qu'une partie des ressources africaines dans le circuit bancaire, d'accord, afin que ces dernières puissent générer des capitaux. Ce n'est pas un hasard. Le franc CFA et le système franc CFA a été constitué par l'oligarchie française pour que les ressources africaines ne bénéficient pas aux Africains, mais au contraire, ces dernières puissent bénéficier uniquement aux autorités françaises et aux corrompus à la tête de nos États qui, bien souvent, sont les pions de la première précité. Sixième point, et j'en ai bientôt terminé, il existe un scandale monumental dans la plupart des pays d'Afrique de la zone franc. Et je demande à chacun d'entre vous de prendre conscience de ce que je dis. Ne voyez pas, depuis tout à l'heure, j'entends Madagascar, comme si Madagascar était éloigné, sous prétexte qu'en effet, Madagascar n'est plus dans la zone, n'est plus dans le franc CFA, c'est une réalité, mais comme si Madagascar était à part par rapport à l'Afrique. La problématique que nous connaissons dans le fond, même si les méthodes changent, la problématique de pillage reste la même. Les banques centrales, écoutez bien ce scandale au XXIe siècle, et après, c'est ce prétendu pays des droits de l'homme ose nous faire croire que nous sommes dans un monde où aujourd'hui la question principale est le développement. Les banques centrales des pays d'Afrique de la zone franc doivent verser 50% de leurs avoirs extérieurs au trésor public français. On parle de 8 000 milliards de francs CFA. Certains parlent de 12 milliards d'euros lorsque l'on parle de ces comptes d'opération. Ça, c'est l'héritage, comme ils l'appellent prétendument, de la colonisation. Non, c'est une colonisation qui continue encore aujourd'hui. Les mêmes qui vous disent ça ont le culot après de vous dire « Vous devez songer à vous développer », alors qu'ils nous amputent une grande partie de nos finances et de nos moyens qui pourraient permettre justement de développer les emplois pour les jeunes, de développer un système de santé pour nos populations qui, je dois le rappeler, grâce au système de Bretton Woods, n'ont même pas un accès libre aux soins, tout est privatisé et le moindre besoin vital est pour nous un luxe que la plupart de nos populations ne peuvent pas se payer dans ces pays d'Afrique de la zone franc. C'est un scandale. Et enfin, septième point, la France, les représentants de la Banque de France ont le droit de veto à l'intérieur, il faut le préciser, de nos banques centrales. Certes, ils sont minoritaires par rapport à la majorité des administrateurs, aujourd'hui la majorité des administrateurs sont africains, mais il faut l'entièreté, ou du moins une sorte d'unanimité dans la prise de décision pour que les décisions puissent se prendre. Et donc si les Français ne refusent qu'une décision économique soit prise
dans nos banques centrales en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou ailleurs, eh bien la décision ne sera pas prise. Cela, juste pour vous symboliser ce pourquoi nous sommes mobilisés. J'en reviens maintenant à la situation de Madagascar et plus globalement de nos pays africains. Ce qui s'est déroulé l'année dernière a été une mobilisation qui, pour la première fois de l'histoire, a poussé les autorités françaises depuis la période des indépendances à se prononcer sur la problématique de notre souveraineté. Pendant très longtemps, la France disait « la colonisation s'est passée, De Gaulle nous a donné la colonisation ». Ils vous disent, c'est le langage fleuri sucré d'Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde nouveau, un monde de globalisation néolibérale, et il faut que chacun prenne sa chance. Mais les mêmes qui vous disent ça sont ceux qui, en réalité, se servent de vos ressources naturelles pour pouvoir bâtir leur richesse. Parce que si on doit regarder les ressources naturelles de la France, si on enlève ces prétendues anciennes colonies qui sont en réalité des colonies modernes, la France ne serait rien, ne serait absolument pas une puissance mondiale. Elle le sait, sans Madagascar, elle ne serait rien. Sans le reste des pays d'Afrique francophone, elle ne serait rien. Et ça, c'est un tabou qu'on doit être capable aujourd'hui de briser fondamentalement si on veut avancer. La France n'est plus puissance mondiale que parce que nos pays aujourd'hui sont asphyxiés, dépouillés, pillés par cette dernière. Mais la France n'existe aussi de la sorte que parce que nous avons des élites qui, sur le terrain de la corruption, sont les champions du monde en termes de détournement de fonds. C'est quelque chose aussi qu'on doit être capable de dire. Il y a un adage qui dit, je sais que je vais peut-être me faire des ennemis, mais je ne suis pas venu ici pour me faire des amis. Je suis venu pour dire la vérité, parler à mes frères et sœurs, où qu'ils soient, quel que soit le prix à payer. Il y a un adage qui dit « Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. » Nos civilisations sont rongées de l'intérieur. On pourrait passer 1000 ans à parler de la France. On pourrait passer 1000 ans à parler du pillage de l'oligarchie occidentale. Mais il n'y aurait pas de pillage s'il n'y avait pas des dirigeants, des oligarques dans nos pays qui ouvrent les marchés à l'extérieur au lieu de prioriser la sphère intérieure. Nous devons être capables de le dire aussi. Alors, quand vient maintenant la question des solutions, la jeunesse, l'organisation non gouvernementale que je représente, Urgence panafricaniste, a trouvé une solution extrêmement simple, pragmatique, basique, et qui tient en un seul adage. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Il est temps d'arrêter de toujours systématiquement compter sur des dirigeants politiques qui sont issus d'un système politique complètement vérolé, complètement vicié pour exister. Nous n'avons pas la chance, comme certains pays anti-impérialistes ou anti-oligarchiques occidentales qui existent aux quatre coins du monde. On a la Russie a la chance d'avoir un président comme Poutine qui ne se laisse dicter sa voix par personne. Il y a des pays, l'Iran est un pays qui ne se laisse marcher dessus par personne. La Chine est un pays qui ne se laisse marcher dessus par personne parce qu'ils ont des dirigeants qui ont la compréhension et le sens de la responsabilité d'État. Mais nous n'avons pas cette chance. Peut-être que nous l'aurons prochainement lors des prochaines élections. Mais en attendant, la meilleure façon de ne pas être déçu, c'est que le citoyen africain reprenne sa véritable responsabilité. Nous avons identifié un ennemi. L'ennemi a une double facette. Il a une facette noire et une facette blanche. Le pire ennemi de nous autres, c'est ce système de corruption endémique dans nos rangs. Et les citoyens doivent être capables de densifier la société civile pour faire en sorte que la malgouvernance, que la corruption, que les détournements de fonds soient sanctionnés par le peuple si nos dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités réellement. Le deuxième aspect qui me paraît être un aspect vital et prépondérant en termes d'ennemis, c'est que nous avons identifié qu'à chaque fois que les entités occidentales viennent chez nous, la plupart du temps, elles ne viennent pas pour faire un marché ou un commerce gagnant-gagnant. L'histoire nous a prouvé qu'à chaque fois qu'ils viennent chez nous, c'est pour nous entourlouper, corrompre certains et piller le reste du temps. Quand nous avons identifié un ennemi, si quelqu'un vous viole une fois, deux fois, trois fois, vous viole et vous vole, lorsque la quatrième fois il arrive, si vous lui ouvrez la porte quand il arrive et que vous lui servez à manger, c'est qu'au final, vous acceptez d'être violé. Et vous acceptez d'être violé, il faut qu'on ait aussi le courage de le dire. Partant de ce principe, il serait temps que la société civile, la population malgache et la population africaine s'inspirent un petit peu de la problématique internationale, comprennent les enjeux des différents mécanismes de la géopolitique. Face à l'oligarchie française, face à l'oligarchie occidentale, face aux mécanismes de Bretton Woods, face aux grandes institutions mafieuses internationales,
que sont la Banque mondiale et le FMI qui se sont constitués à la suite, par la suite de la colonisation et qui nous ont dépouillés, elles n'existent aujourd'hui que parce que les puissances occidentales ont pillé nos richesses. Et quand ces institutions internationales viennent vers nous, elles viennent vers nous en nous proposant des plans d'ajustement structurel qui, en réalité, nous limitent dans notre possibilité de régir la vie à la cité. Est-ce que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire, oui ou non? Et ces plans d'ajustement structurel sont faits pour que les entreprises occidentales puissent, encore une fois, avoir un certain nombre de marchés en priorité chez nous sur nos besoins vitaux. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et après, ils ont le culot, l'arrogance, l'insolence de nous dire qu'on est endetté, alors que ces gens-là, soi-disant, nous prêtent de l'argent par rapport à tout ce qu'ils nous ont pillé. Face à ça, il y a ce qu'on appelle, tout à l'heure ça a été énoncé, les BRICS. Nous devons analyser très sérieusement la manière dont un contre-pouvoir face à la globalisation néolibérale, qui est l'autre nom de l'impérialisme occidental, est en train de s'effectuer. Aujourd'hui, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et d'autres pays émergents sont des pays à analyser avec attention. Cela ne signifie pas que ces gens-là sont les meilleurs amis du monde, sont des justiciers, sont des humanistes. En politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et il faut le dire aussi. Et il faut être très lucide sur cette question. Mais tout en étant très lucide, il faut analyser le rapport de force. L'ennemi de mon ennemi peut être stratégiquement, ponctuellement mon ami. Et je préfère, moi, à titre personnel aujourd'hui, en premier lieu, d'abord, lorsque l'on parle d'unité, songer à tout faire pour créer des voies d'unité, des voies d'échange, des voies de fusion avec le reste des populations africaines en tant que telles. Premier point. Mais à l'échelle internationale et à l'échelle extra-africaine, voir ce qui est possible de faire avec des nations telles que la Russie, telles que l'Inde, telles que les pays du BRICS en tant que telles, tout faire pour que les institutions occidentales soient à l'abonnement. Nous avons la possibilité aujourd'hui de tracer une nouvelle voie. Il n'y a pas mille chemins pour passer. J'ai entendu des gens qui nous ont dit « Oui, mais la France ne donnera pas son accord, on ne pourra rien faire. » Nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à faire de la vie de la France en tant que telle. Nous n'avons pas besoin de la France pour exister. Nous existions avant la France, nous existons après la France et nous gagnerons notre indépendance que la France ne veuille pas. Merci infiniment de m'avoir écouté.